Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Papy Corse s'éclate sur Arc Survival. Nous sommes le dimanche 5 mai 2019, il est 19h14. Donc on va fignoler pour la course qui approche à grands pas. Purée, 45 minutes. Allez, hop, qu'est-ce que tu fais là? Ah non, je suis sur le cas là, c'est normal. Disais, tiens. Allez, on va mettre. Je fais petit passage. Ouais, Venom. Ah, tu. Tu te prépares? Bon voilà, ça c'est le lieu de réapparition. Donc tu l'as mis dans une petite caisse, tu m'as dit. Dans deux petites caisses. Hein. Ok, ça marche. Donc ça c'est le... Ok, bon. Ça c'est bon. Donc là, c'est pas cette caisse-là. C'est les caisses qui sont sur la pierre. Que tu m'as mis. C'est dans des petites caisses de lieu de réapparition que tu m'as mis. Ouais, mais où? Ah, ça y est, ok, c'est bon. Ouais, c'est bon, je sais. Donc, je considère que vous êtes 5 à jouer. Hein. D'accord? Normalement, c'est 4 sur et peut-être 5. Donc. Donc, s'il y a 5, ça fait. On va voir ça. On va préparer ça. Voilà. Donc ça, je remets tout là-dedans. Accepter. Voilà. Donc il me faut 5 parachutes. Voilà. Il me faut 5 frocs. Et 5 hauts. J'ai aucun haut. J'en avais. Ah oui, non, je les ai, pardon. Je me disais aussi, j'en avais plein. 1, 2, 3. C'est fermé. Il n'y a pas de code PIN. Ah, j'ai que 4 frocs là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hauts. J'ai pas un froc de bas. Ah si, il m'en reste un là. Super. Voilà, 5, 5. Ok, ça marche. Alors, attention. Salut Paco, comment on va? Ça y est? Tu te mettras sur Discord, Paco? T'as des nouvelles de Tino, non? Parce que... normalement, vous êtes 4 sûrs. Et peut-être 5 avec Tino, donc ce serait vraiment au dernier moment, je vais le savoir. Donc, chacun aura sa selle. Si vous êtes 4 à jouer, bah, chacun aura sa selle et son parachute et son tissu, il y en aura un de plus. Hein. Voilà. Pour ça que j'aurais aimé savoir à 17h exactement qui viendrait ou pas. Mais bon, après c'est mieux que rien. Si Tino il peut rejoindre la partie au dernier moment, au contraire, hein, il y en a un de plus. Hein. Voilà. Il n'y a pas de soussaille. Donc Paco, je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est Zeus hein, qui te soutient. Hein. D'accord? Voilà. Bon, bah là, je vais commencer à mettre dans les caisses. Après, je m'occupe du bas et puis ça va être bientôt. Hein. Oh, ça fait mal. Okay.
Ah. Ok, donc ça c'est bon. Ah bah ils font ce qu'ils veulent, après ils savent ce qu'ils ont à faire. Hein. Je viens de lui envoyer un SMS, pauvre Zeus, elle va perdre. Ouais, Zeus, ouais, elle a voté pour toi. Hein. Parce qu'elle avait voté pour une personne, je crois, et il nous a rejoint, je sais plus ce qui s'est passé. Donc voilà. J'ai pas la malchance de t'avoir choisi. Il sait pas la malchance de te... Alors pour indication, c'est une femme, Zeus Chiro. C'est une dame qui est mariée d'ailleurs. Parce qu'elle m'a aidé avec son mari à configurer, à trouver le problème sur Verigame. Voilà. Hein? La pauvre. Non. Médoc. Ouais, ouais, je suis au Médoc, Rem. Pas choisi. Ouais, ouais, bah on verra bien, on verra bien. Hein, ça se tombe. On verra. Donc après, il faut que je redise les règles une dernière fois et combien de points vous avez et tout. Hein. Donc c'est pas fini encore là. Donc je viens de finir le haut, hein, ça y est, parachute. Et donc je vous rappelle, hein, le parachute pour démarrer. Hein, et la veste et le pantalon en tissu, hein, obligatoire. Hein. Si j'en vois un courir en kangourou, sauf s'il a été cassé, il faudra qu'il me le présente. Hein, vous le jetez pas, hein, faudra me le présenter. Hein. Voilà. Donc je pense que je serai là avec mon aigle, hein, pour superviser, pour celui-là, voilà, qu'il n'y ait vraiment personne avant mon top départ. Hein, d'accord? Je sais pas, c'est une intuition comme ça. Voilà. Ouais, on voit pas grand-chose. Ah ouais, j'ai encore les caisses là à mettre pour les selles. Alors attends, si on passe par les... Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, Kaiser, le pantalon et le haut en tissu sont dans des caisses avec le parachute. Donc, il faut prendre les trois éléments dans les petites caisses. Il y a 15 caisses et tu as 5 caisses où il y a un parachute et les vêtements tissus. D'accord? Ça, c'est pour m'assurer que vous ne faites pas la course avec des armes ou des trucs qui pourraient vous aider pour la course, tout simplement. Ou une selle de Fiona que vous avez déjà sur vous, par exemple, etc. Voilà. C'est juste une assurance. Hein. J'ai confiance en vous, mais c'est une assurance pour moi. Oui, bah, vous venez... le mieux, c'est de démarrer de chez toi. Tu t'es à 8h moins 5, tu es à côté de ton lit et tu fais un voyage une fois que tu m'entends top départ. C'est ça, tu fais un transfert. Que tu sois juste à côté des sacs de couchage ou chez toi à Pétaochnok, les bains, c'est pareil. C'est un voyage lit. Vous êtes obligé de faire un voyage lit. Regarde pas trop le live, il va le mettre. Par contre, en haut, vous pouvez vous bousculer, vous donner des coups de poing, faire tomber quelqu'un. Et s'il tombe, il se suicide. Voilà, vous ne l'avez pas tué. Hein. Il s'est suicidé, d'accord? Par contre, s'il y a marqué Paco a été tué par Chiro, Chiro t'est éliminé. Hein. On est bien d'accord. Hein. Voilà, c'est les exemples. Hein. Après, vous pouvez, voilà, donc avant d'aller sauter en parachute, s'il y en a un derrière vous qui vous donne une patate et puis vous tombez, voilà, hein, d'accord? Donc, il faut faire vachement gaffe. Hein. Voilà, donc là, je vais mettre les caisses. J'en ai combien, là? J'ai combien de caisses, hein? J'en ai 19, non, sérieux? Ah ouais, j'en ai 19, donc ça fait un peu trop, là. Hein, 19 caisses. Ah ouais, d'accord. Donc je vais en mettre 15, hein, comme ça sera fait pour la prochaine fois. Allez, c'est parti. Là, je peux pas mettre les caisses. Alors attendez, il y a un contre-ordre. On peut rien mettre sur la petite île. Les petites caisses. J'avais essayé le panneau la dernière fois et j'ai pas pu. Donc les caisses seront dans l'eau, les copains. Voilà. Hein, j'y suis pour rien parce que je peux rien mettre sur la petite île. C'est un décor. Voilà. Donc je mets 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Bah ouais, 10. 11. 11, 11, 11. Attends, je reprends ma respiration vite. 11, 11. 11, 11. 11. Allez, hop, on y retourne. 11. 12. 12. 13. 14. Et 15, voilà. Donc les caisses sont dans l'eau autour de la petite île. Hein. J'ai pas pu les mettre dessus. Hein. Donc il faudra plonger, les copains. Voilà. Ça donne encore un petit peu plus de piment. Hein. J'en rigole d'avance. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas un mégalodon qui va péter les caisses parce que là, vous serez dans la mouise. Hein. Donc là, ce que je vais chercher, c'est les sels de Fiomia maintenant. Que je vais mettre dans l'eau. Donc j'en mets 4. Hein. Sur les 15 caisses, il n'y aura que 4 sels. Hein. Donc il faudra hein, respirer et aller chercher. Oh, j'adore. Ouais, c'est trop. C'est trop. Allez, accès à l'inventaire. Je prends une selle. Une. Une, deux. Tino est pas là ? Ah, donc, bah voilà, quoi. Donc ça va être plus rapide, alors. Ça enferme. Qui passe. Donc normalement vous êtes 4. Hein. Il y a Patou, il y a Shiro, il y a Paco et il y a Kaiser. Hein. Vous êtes 4 à jouer. Hein. Vous confirmez, vous êtes 4 à jouer. Donc il y aura. Qu'est-ce qui se passe là? On me pète un. C'est quoi ce bordel? Attends. Votre Fiona a tué un raptor? C'est pas possible. J'ai un Fiona qui vient de tuer un raptor. Non mais sérieux? Oui, c'est marqué Fiona a tué. C'est la première fois que je vois ça. Ah non, mais franchement. Bon, allez, hop. Ah ouais, il s'est retourné, lui. Ah, puis il a plus la selle, évidemment. Alors, attends, je vais le retourner, lui. Hop. Bon, exceptionnellement, vous aurez une selle chacun, mais il faudra la trouver. Hein. D'accord ? Parce que comme vous êtes que 4, on va faire 5 ou en dessous, chacun son Fiona. Au-dessus de 5, il y aura quelqu'un qui n'aura pas la selle. Donc le dernier arrivé sera éliminé. Hein. Ok. Voilà. Donc. On va faire comme ça. Donc là, j'en ai un. Là, non, 1, là j'en ai 2, pourquoi j'ai 3 selles alors? Donc ça en fait 2, ouais, 1, 2, là j'en ai 3. 3, ok, ça marche. 3 et un quatrième. On va mettre celui-là. Je mets un petit peu n'importe lesquels.
Voilà. Je prends la selle. Voilà, 4 selles. Non, celui-là, je laisse ouvert. Donc 2 là. 3. 4. Allez, on va ouvrir ça. Le starting block. Donc, celui-là, non. 2. 3. Voilà. Et l'autre, je sais plus lequel que c'est. Je vais aller chercher ça. Que je me trompe pas, hein. Faut vraiment tout vérifier. Lui, 1. 2. Je peux passer là. Ok. 2. Ah, pourtant j'ai expliqué Paco, le starting block commence de chez vous. Quand je dis 5, 4, 3, 2, 1, partez, vous faites le voyage lit pour atterrir à votre sac de couchage. Une fois que vous êtes dans votre sac de couchage, vous courez sur une caisse. Il faut trouver la caisse où il y a le parachute et une tenue en tissu, le haut et le bas. Il faut la mettre. Hein, prendre le parachute, mettre un barre d'espace, enfin la barre de raccourci, et là vous sautez et vous allez chercher une caisse qui se trouve dans l'eau, la petite île qui est en face que j'ai montré. Il y a une caisse, il y a 15 caisses en haut, et dans les 15 caisses, il y en a 4 qui vont avoir une selle de Fionia. Vous prenez la salle de Fionia, vous arrivez ici, là où je suis, hein, et vous récupérez le Fionia qui est abandonné, évidemment. Hein, d'accord. Vous le récupérez, vous mettez la selle et vous courez. Et puis voilà, c'est parti, vous faites le tour. Vous arrivez donc de ce côté-là, que je vais ouvrir maintenant parce que l'heure approche. Voilà, donc j'ouvre tout. Voilà, vous arrivez là et il faudra, le premier doit mettre la tenue en métal, le deuxième il mettra la tenue en chitine et le troisième mettra la tenue en cuir. Une fois qu'ils ont ça, ils me rejoignent tout là-haut. Voilà, tout là-haut, il se présente à moi, et voilà, je valide sans le premier arrivé, le deuxième et le troisième. Hein? Papa, j'ai pensé, il y a peut-être qu'ils vont charger moins vite pour se téléporter, pour lancer l'épreuve quand tout le monde s'était... C'est-à-dire, il y en a peut-être, ils vont charger moins vite pour téléporter, pour... Pourquoi ils chargent moins vite? Quand je dis charger, c'est le chargement de la zone... Ah, je sais pas. Je sais pas, on va voir. Ça, c'est pour la première course. La deuxième course, il n'y a plus de téléchargement, de changement. Ça démarrera directement de l'île là. Et les Fionia, ils auront déjà leur selle. Il n'y aura pas besoin d'aller chercher dans les coffres. C'est directement en face. Et ils prennent le Fionia. Hein. Voilà. Et normalement, ils en auront chacun un. Donc la prochaine course, il y aura un archer avec des flèches narco. Et les trois autres, ils auront leur Fionia. Donc je fais ça parce que normalement, il y en a un qui n'a pas de Fionia sur les 10. Il y en a un qui ne pourra pas prendre un Fionia parce qu'il n'y aura que 9 Fionia de libre. Tandis que là, comme ils sont 5 ou moins de 5, ils ont chacun leur Fionia. Je ne fais pas l'épreuve du dernier arrivé, il n'a pas de Fionia. Voilà, je ne fais pas comme ça parce que 5 et moins de 5, ça sera comme ça. Voilà. Après, le chargement, j'en sais rien. Hein. Ça, voilà, donc là, tout est ouvert. Il n'y a pas de soucis. Alors, de quoi? Chargement pour se téléporter. Apparemment, il y en a qui mettront plus de temps que d'autres. Donc ça, je sais pas. De toute façon, ça reste à l'essai. Hein. Ah ouais, s'ils ont des PC pourris, ouais, un PC un peu moins puissant pour certains. Ah ouais, mais là, après, moi, je peux pas me mettre à la place de tous. Hein. C'est sûr que... Après, je fais un essai, voilà. Mais bon, c'est pour la première course. Pour la première course. Pour la première course, il faut que tu fasses venir du monde après apparaître. Voilà, on est prêt. Tu fais le départ et on se retrouve. On réapparaisse tous devant toi dans le lit, enfin dans le machin. Ah oui, d'accord. Et que voilà, que ce soit pas à partir de chez nous. Que ce soit à partir du moment où on réapparaît, voilà. On attend que tout le monde soit présent. D'accord. Bon, Patricia a une bonne idée. Donc vous m'entendez tous, hein, j'espère, hein, surtout les participants. Hein, ouais, je pense qu'elle a une bonne idée, je vais l'appliquer. Donc je serai là-haut avec mon aigle, et quand je dirai ok, vous pouvez réapparaître, j'attendrai que tout le monde soit là. Et une fois que tout le monde est là, je dirai top départ.
Voilà, et c'est là qu'on va commencer le départ. Hein ? Ça se trouve, tout le monde a un bon PC. Non, non, mais t'as raison, Rem, t'as raison. Patricia vient de compléter ton idée. Voilà, donc il y a toujours une solution au problème. Ok, tout le monde, on fait comme ça, hein ? Donc une fois que vous réapparaissiez, vous attendez que tout le monde soit là. Une fois que tout le monde est là, je dis ok, c'est bon, c'est parti. Alors les parachutes, ils seront dans les petites caisses là-haut, Paco. Je l'ai dit. T'as des petites caisses dans le lieu d'apparition. T'as 15 caisses et dans les 15 caisses, il n'y en a que 4 qui ont le parachute et les tenues en tissu. D'accord ? Voilà. Non, il n'y a pas de problème, Paco, mais je pensais que Tino, il allait tout te dire parce que je lui ai tout expliqué hier. Mais c'est pas grave, vaut mieux que tu saches que tu te retrouves comme un glandu là-haut et tu sais pas. Hein ? Tu comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps. Ouais, ça, c'est... Ah, c'est comme Dev. Ah, tu comprends vite, mais il faut qu'il t'explique longtemps. Ah. Voilà, tout à fait, Rem. Tout à fait. Ah, mon Paco, je t'aime bien, moi. Pour ça, je te taquine, mon Paco. Voilà, il est 36. Moi, il me reste plus peu de temps hein, pour fignoler. Hein. Attendez, j'y vais. Hein. Alors, donc, vous êtes 4 à participer. Il y a 4 Fiomia. 1, 2, 3, 4. Ok, ça marche. Donc, les 4 Fiomia sont là. Il faudra que je les abandonne au dernier moment. Hein. Est-ce que j'ai les selles sur moi ? Hop là. J'ai les selles sur moi, donc je mets les 4 selles dans l'eau. Ah bah tout le monde regarde, après voilà, hein, c'est comme vous voulez, hein, mais bon, vaut mieux mettre de votre côté les chances, hein, parce que c'est pas évident là. Hein. Est-ce que celui qui regarde pas... Ok Paco. Moi aussi. T'attends qui, Dev ? Je te l'envoie. Je t'envoie Dev, Paco. Donc l'île, c'est celle qui est juste en face de la pancarte de départ, hein, d'accord, hein. On est bien d'accord, hein. Nudiste. Je connaissais les nordistes, les sudistes, et maintenant il y a les nudistes. Allez, moi je sais même plus où je les ai mises, moi, alors c'est pour vous dire. Hein. Parce qu'elles sont planquées. Bah, il y en a, ils sont planqués, il y en a, ils sont visibles, hein. Moi je les ai mis à la suite. Hein. Ah, misère, attends, je sais même plus, moi. Non, mais normalement ça doit être bon, je sais même pas si c'est autour de celle-ci. Mais non, on peut rien mettre sur les machins. Et encore, il n'y a pas de mégalodon. Ouais, hein. Bon. Allez, j'en mets une ici. Voilà, en voilà une. Ah non, mais je sais où ils sont après. C'est tout le tour. Donc, je ne veux pas en mettre à tout. Hein. Attends. Ah, c'est Dev qui a voté pour toi. Non, c'est Zeus. C'est Zeus, Rem, qui a voté pour lui. Et là, on saute tous et boum, un giga en bas. Non, pour l'instant, non. Mais par la suite, il y aura certainement un mégalodon agressif. Hein. Voilà. Et ça sera... Et ça, je vous le dirai pas. Ça sera Gaston qui fera les préparatifs. Hein. Donc là, on est à l'essai. Hein. On est à l'essai. Voilà. Hein. Non, mégalodon alpha, je peux pas. Mais ça se tombe, il peut y en avoir un à côté. Mais voilà, hein, c'est tant pis pour vous. Hein. Ah, il y a des méduses. Ah, je peux les faire apparaître, là. Je peux les faire venir là. Hein. On va pas compliquer les choses. Hein. Tu dis non, papy, mais tu choisis pas les forces de la nature. Ah, bah, écoute. Vous faites attention, il y a des méduses. Hein. Alors, tous les coups sont permis, sauf de tuer. Hein. Je rappelle. Hein. Faut pas tuer. Hein. On peut pousser au suicide. Il n'y a pas de problème. Mais on ne tue pas. Hein. On va voir, c'est une première, j'essaye. Ça se tombe, on va arriver au moment de l'épreuve avec 15 mégalodons. Ouais, bien sûr, ouais, il y aura Alain Chichon aussi. Avec sa troupe de Chinois, les Moon Lunaires. Attends, je cherche parce que là, je sais plus trop où il y en a. Hein. J'ai un revolver légendaire, je peux... Non, non, pas du tout, Paco. Non, non, sinon c'est confisqué. Donc tu peux le prendre, je te le confisque. Attends, regarde, j'ai même plus de... L'énergie. Oh là là, attends. Ah oui, tout à l'heure, c'est marqué que vous êtes fatigué. Mais oui, mais attends, vas-y, Twitch, tu verras ce que c'est de twitcher, de regarder l'heure, de faire l'épreuve, de répondre à tout le monde,
de faire attention à ton bonhomme, c'est... Non, franchement, si j'ai l'Alzheimer, faut que j'arrête. Hein. Je pourrais pas. Hein. Bon, alors, attends, il me cherche encore une caisse. Parce que moi, je voulais les poser là, tu vois. Mais là, on peut rien poser du tout, du tout. Ah non, je te le redonne pas, Paco. Hein. Tu me le donnes, hein, point barre. Hein. Confisqué, c'est comme à l'école. Hein. Le maître, il confisque un iPhone, c'est le dernier. Non, non, il le rend pas. Hein. C'est moi, c'est pareil. Hein. On est malin. Hein. Attends, je cherche les caisses hein, maintenant. C'est pas évident. Hein. C'est quoi ton problème? De quoi? Bah, je suis désolé, il y a des profs qui confisquent et puis à la fin de l'année, ah tiens, il ne l'a pas réclamé, je le garde, je le prends pour moi. Excuse-moi, il faut dire ce qu'il y a. Hein? Les caisses, ah bon, d'accord, ok. Bah, sois précise dans tes questions. Si Alain Chichon qui vient raid, on est foutu. Ah bah oui, là, on est foutu. Hein. Si Alain Chichon vient, c'est terminé. Hein, là, c'est la plus grande tribu alpha du monde d'Arc. Hein. Alain Chichon. Bon, attends, là, ça m'inquiète, là. Je cherche les caisses, hein, voilà. On va presque avoir du mal à les trouver. Bah ouais, bah ça, hein, c'est votre... petite cachée, là. Une petite ouais, cachia. Ouais, mais tu l'as peut-être déjà... Ah bah je regarde, non, je pense pas, non. Voilà, ça y est, les copains. Ah, c'est quoi, ça? Je croyais que c'était un piranha. Non, pas de piranha, là. Ok, bon, ça, c'est bon. Oh, il y a les méduses, ils sont pas loin, hein. Je peux aller les chercher, les ramener là, si vous voulez. Hein. Non, ce serait trop dur, après. C'est pas la peine. Bon, ça c'est bon. Alors, une fois que vous avez votre sel de Fiumia, hop, direction les Fiumia. D'accord? Oh, j'ai le cœur qui boum, 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 dingue. Là, j'ai des petites caisses, ok, ça marche. Donc vous avez tous compris, hein. On démarre de là-haut, vous apparaissez tous, une fois que tout le monde y est, je fais le top départ, vous cherchez un parachute, vous mettez les... Vous sautez pas en parachute avec le slip kangourou, faut vous habiller avant de sauter, hein. Parce que moi je suis avec la... Pas la lampe torche, hein, la longue vue, hein. Ensuite, vous prenez votre selle de Fiumia, vous venez ici, vous choisissez votre Fiumia, qui est là, dans les starting blocks, donc j'en ai mis 4. Je suis sûr, je trouve pas caisse. Ah bah ça, Paco, après... Ah. Voilà, donc je regarde si c'est bien ouvert de ce côté-là. Pareil, 1, 2, 3, voilà. Ils sont dans les starting blocks. On est bien d'accord. Ah, je sais pas. Moi. Donc, une fois que vous avez le Fiumia, vous partez. Donc là, il n'y a pas de tireur d'archer. Il n'y a pas d'archer, donc il n'y a pas de problème. Ah, il y a un dilo, je le laisse. Je laisse le dilo. Ah, c'est pas moi qui l'a mis, c'est un sauvage. Hein, il réapparaît directement dedans. Voilà, donc vous faites le parcours. Ensuite, vous passez là, on passe par un seul. Hein, donc, si vous vous retrouvez tous les quatre là, il faudra vous bousculer, vous frapper ou... Voilà. Hein. Donc, vous passez là. Ensuite, vous revenez. Toujours pas d'archer. Il y a un... Ouais, non, ça, c'est pas méchant, ça. Les parosaures, mais ça peut vous embêter. Il y a un mochop. C'est pas moi, les amis. Hein, attention, hein, voilà. On va se taper un raptor dedans. Non, non, il n'y a pas de raptor. Enfin, pour l'instant, hein, moi, j'ai rien mis. Hein. Après, s'il y en a un, tant pis pour vous. Hein. Ensuite, vous descendez de votre Fiumia. Ah, faut que je mette les machins. Tiens, j'ai pas mis. Purée, dans un quart d'heure. Le premier arrivé, il se met en métal. Le deuxième, il se met en chitine. Et le troisième, il se met en cuir. Et il se présente à moi là-haut. Voilà. Et il me donne toute la panoplie. Il me redonne toute la panoplie. Hein. C'est pas cadeau. Hein. Hein. Chitine. Par contre, le premier qui a commencé à prendre une affaire en métal, le deuxième qui est juste derrière, il n'a pas à prendre du métal. Hein. Il faut qu'il le laisse. C'est comme les animaux. Quand on commence à tuer un animal, l'autre qui est derrière, il ne va pas venir le finir pour prendre les points, genre les alphas, tu vois. Ok. Si c'est pas clair, vous me demandez. Hein. Je vous... Voilà, donc ça, le tissu, non. Normalement, c'est bon. J'en ai 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est bon. En plus, il y a 15 emplacements. Voilà. Donc ça, c'est pour le fun.
Donc j'essaye de les mettre dans l'ordre. Hein. Je ne vais pas vous embrouiller. Quoique non. Je ne vais pas les mettre dans l'ordre. Vous débrouillerez. Voilà. Ça va vous monter aussi le stress comme ça. Attention, hein, tout en métal, tout en chitine ou tout en cuir. Hein. Si vous êtes tout en métal sauf le casque, il est en chitine, ça ne marche pas. Hein. Il faudra redescendre, aller le chercher. Hein. Il y a le stress comme un étudiant. Exactement, Kaiser. Exactement, c'est vrai. Hein. C'est qui le gagnant? Ben, on va voir. Salut, Zéro. On va voir qui c'est le gagnant. Ça n'a pas commencé, ça commence dans 15 minutes. Il y a deux dilos. Ah, j'en ai vu qu'un, Rem. J'ai vu qu'un dilo. Moi, s'il y en a deux, tant mieux. C'est mieux encore. Ils sont pépères. Voilà. Tout le monde a compris, hein. Ok, les copains. Hein. Pour être sur le Fiona en... En taille, il passe dans, entre les deux. Oui, 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 j'ai fait des essais, Nico. Il passe. Oui, oui, j'ai fait des essais avant. Hein. Ouais, normal. Ouais, mais c'est un autre qui a le casque en métal. Il faut le tuer, du coup. Non, 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 non. Si il a commencé à prendre le métal, le deuxième ne prend pas le métal. Hein. Il faut qu'il prenne la chitine. Après, si le deuxième, il arrive avant celui-là qui prend le métal, qui a commencé à prendre le métal, donc là, je verrai. Je verrai si on partage des points ou des trucs. Je verrai. Hein. Ou il y aura premier ex aequo, tu vois. On va essayer de... Hein. Voilà. Tu as montré où il part précisément. Oui, oui, je leur ai montré. Alors voilà. Donc là, il ne me reste plus que à abandonner les Fiona pour qu'ils puissent les prendre. Hein. Voilà, donc ils vont démarrer de là-haut. J'y vais. Donc je répète un petit peu. Là, je fais une dernière fois le tour pour vous expliquer. Ok? Je vais me positionner là avec l'aigle. Oh, dé. Quand ça gratte à l'intérieur, tu peux pas y aller, c'est... Oh, c'est désagréable. Oh, what a game for. Bon. J'entends plus rien maintenant. Oh, dé. Voilà, je me positionne là. Là, vous avez, vous les voyez pas, il y a les duvets des participants que j'ai demandé qui viennent les poser, parce que je peux pas leur poser à leur place. Hein. Vous savez pourquoi. Donc, je sais pas, il y en a par là. Je sais même plus où ils sont. Là, il y a des caisses. Voilà, j'en vois là. Donc là, il y a Paco et Tino. Donc Paco va réapparaître ici. Il va rester sur place. Une fois que j'ai tous les participants, je sais qui c'est qui participe. Une fois qu'ils sont tous là, donc je les vois. Il ne faut pas qu'ils bougent, hein. Il faut qu'ils restent à côté de là où ils ont apparu. Hein. Une fois qu'ils sont là, tout le monde, je dis 5, 4, 3, 2, 1, partez, j'appuie sur le B, je pense que tout le monde entendra, de toute façon il y aura le Twitch, partez. Donc il faut qu'ils aillent sur une caisse, il faut qu'ils trouvent dans une des 15 caisses un parachute et les deux vêtements, tissu et donc le haut et le bas en tissu. Il faut qu'ils les mettent. Après, ils mettent leur parachute. Il y a quelqu'un à côté de moi là. Il y a quelqu'un à côté de moi, ça doit être Kaiser. Et voilà, par exemple, là, il y a une caisse, il y a le parachute, il y a le... Voilà, il met son habit en tissu, le haut et le bas, il prend le parachute, et là, c'est le départ. Le départ, il va là-dessous, là-dedans, et il saute. Il saute. Donc, on a le droit de se bousculer, on a le droit de se taper, on a le droit de se faire endormir, mais on n'a pas le droit de tuer. S'il y en a un qui tue un autre, un animal ou un survivant, il est disqualifié. Ensuite, ils atterrissent par ici. Une fois qu'ils ont atterri ici, il faut qu'ils aillent dans l'eau. Chercher une caisse où il y a une selle de Fiona. Il y a 15 caisses et il n'y a que 4 caisses qui ont une selle de Fiona. Donc il faut qu'ils les trouvent, il faut qu'ils les cherchent. Une fois qu'ils ont la caisse de Fiona, ils traversent la flotte. Attention, il y a des méduses sur la gauche. Faites attention. Bon. Voilà, après ils traversent l'eau en nageant. Une fois qu'ils sont sur la terre ferme, ils viennent ici et ils prennent un Fiona, n'importe lequel. Ils seront tous les 4 abandonnés. Donc s'ils sont abandonnés, ils peuvent le récupérer, ils appuient sur eux et le récupèrent. Ils mettent la selle du Fiona et hop, la course est démarrée. Enfin la course de Fiona, hein, parce que la course a déjà démarré d'en haut. Ouais, ouais, ouais. Donc là, il court. Alors attention à l'endurance et attention à la vitesse. Il y a des Dilophosaures, ça c'est pas de ma faute, ils sont venus tout seuls. Après ils tournent ici, on passe qu'à un seul ici. Hein. Le Fiona il passe, hein, il n'y a pas de soucis. L'aigle il passe pas. Oh, vas-y, bouge. Voilà, l'aigle, il passe pas, mais le Fiona, il bouge. Il passe. Non, pourquoi j'ai un retour, moi?
Ah, d'accord, ok, c'est le... Ouais, je me disais, j'ai un retour. Voilà. Ensuite, ils reviennent par ici. Donc, pour cette première course, il n'y aura pas de tireurs d'élite avec des flèches et narcotiques. Pour la seconde course, il y aura. Donc, je vous expliquerai une fois que la course sera finie. Donc, le premier, il arrive, le deuxième, le troisième, ils arrivent ici, ils posent le Fionia ici. Le premier arrivé, paf, il faut qu'il s'habille entièrement de métal. Le deuxième en chitine et le troisième en cuir. Une fois qu'ils se sont habillés comme ça, ils laissent le Fionia ici et ils viennent me retrouver là-haut. Papy Corse le perforasse. Hop, il va là-haut, il va là-haut. Et il se présente à moi. Voilà, papy. Ok, pas de problème, je valide. Premier arrivé. J'attends le deuxième, j'attends le troisième. Et le quatrième. Le quatrième, donc, il ne participera pas à la deuxième course. Par contre, il sera sur un mirador là-bas. Où il va pouvoir tirer, essayer d'endormir les Fionia ou les participants, les trois prochains, donc qui vont courir, mais sans les tuer. S'il les tue, il sera disqualifié. Voilà. Une énigme. J'ai pas pensé à l'énigme encore. Mais l'énigme, oui, il y aura des énigmes plus tard. C'est-à-dire que tu auras la possibilité de doubler tes points. T'arrives en premier, t'as 150 points. Je te dis, voilà, c'est une course exceptionnelle, c'est-à-dire que tu peux doubler tes points si tu réponds à une énigme. Voilà. Après, c'est à toi de dire oui, c'est à toi de dire non. Après, t'as celui qui te supporte. Par exemple, Paco, toi, c'est Zeus. Tu peux consulter Zeus. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, Zeus? Ouais, bah, et Zeus peut t'aider à résoudre l'énigme, tu vois? Donc, il y aura tout ça. Mais là, j'ai pas eu le temps de faire des énigmes et tout. Donc, pour l'instant, c'est comme ça, c'est à l'essai. Et plus tard, on fera un peu plus de choses. Hein? Ouais, pourquoi pas un labyrinthe, tout à fait. Mais il faut que ce soit Gaston Pritzout qui fasse le labyrinthe, parce que si je le construis, vous le voyez sur le Twitch, et puis c'est plus un labyrinthe après. Hein. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Là, je suis stressé à fond, c'est dans 9 minutes hein, le départ. Il faudra pas oublier de mettre le Discord, hein, les copains. Voilà. Ouais, ok. Donc, ouais, c'est bon, ok. Donc, moi, j'aurai la longue vue, hein. Je pourrai voir d'ici, donc, je serai là-haut pour le départ, le parachute, voilà, hein. Hop, donc, voilà, le départ, il sera d'ici, hein. Donc, après, sur la petite île en face, voilà. Ensuite, les fiofios, et puis là, voilà, hein, pour voir si tout va bien, je pourrai suivre le premier, hein, en gros plan. Ou alors comme ça, tout simplement. Hein, voilà. Donc on verra. Hein. Ok? Vous êtes chauds les copains? Non, non, attends. Dans le noir serait marrant sans les gamins. Ouais, mais alors pour le Twitch, c'est pas évident, quoi. Donc il n'y a que eux qui seront dans le noir et moi je verrai le premier qui sort. Pourquoi pas, Pritzout? Pourquoi pas? Ah oui, on peut pas savoir si. Ouais, tu vois, Pritzout, il y a Patricia qui dit on sait pas s'ils peuvent mettre le gamma ou pas. Eh oui. Ah ouais, non, je ne vais pas déconnecter juste pour cette épreuve-là. Arrêtez. Ah ouais, parce qu'ils peuvent mettre le gamma en fourbe ou alors faut que je. Voilà. Ouais, faut que j'abandonne les Fionia, Nico, tu as raison. 53. Oh, baba. Oh, baba. Non. On se met en Discord, les copains. Ouais, vous pouvez brancher les micros. Moi, j'y vais. Voilà. Pouvez brancher les micros. C'est fait. Alors, moi, je suis à la bourre, hein, je m'excuse. Comme d'hab. Ah ouais, mais. Tu vas voir comme d'hab. On attend toujours le même. Ouais, attendez, attendez, attendez. Je t'ai dit clic droit. Ah ouais, Ah oui, clic En plus, droit. si c'est pas le père. Eh ben, Non, mais oui, non, mais... bon, allez-y, foutez-vous de ma goule. Clic droit sur mon nom, hein, c'est ça? Ouais, clic droit. Oui. Voilà. Ouais, non, mais je sais pas, moi. Voilà, ça y est. Bon, je compte sur vous à essayer de pas trop dire de gros mots, hein, parce que c'est enregistré. 20 h, voilà, dans 6 minutes, ça commence. Donc, vous pouvez vous tenir prêt. Il faut que j'abandonne les fiofios. C'est le dernier truc. Hop là, ça fait mal, ça. Tac, tac, ok. Voilà, ça, c'est bon. Tout le monde est connecté, là. Donc, il y a Moon, il y a Paco, il y a Pat et il y a Shiro, hein, c'est ça? Par contre, j'ai pas prévu de la viande pour vous.
Merci Nadia de... Ah, 76, de Normandie peut-être. Super. J'ai pas prévu de viande pour vous là. Je vais en chercher vite fait chez moi. Parce que vous risquez d'avoir faim. Et moi je viens de brancher ma dernière viande. Hein. On a encore 5 minutes. Hein. Baba. C'est trop ça le... Alors pour cette course là, le premier il aura 200 points. Le deuxième il aura 150 points. Alors attendez. 200 pour le premier, 150 pour le deuxième et 50 pour le troisième pour cette course là. Voilà, ce sont des points de concours. Donc soit vous les gardez pour les 5000 points et avoir un... Moi ce sera un chèque de 50 balles et celui-là qui vous soutient un chèque de 25 euros. Voilà, comme ça c'est fait, c'est clair. Et donc soit vous attendez de les utiliser aux 5000 ou alors vous pouvez vous en servir comme commerce. Acheter des animaux à d'autres et puis donner des points. Voilà. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec vos points. Attends, là je prends de la viande parce que ça ce sera gratuit, ce sera pour vous. Mais ouais, mais alors qu'est-ce que tu veux? Moi sinon j'arrête Discord, je m'y mets pas à Discord. Puisque moi je vous entends, non? Parce que moi j'ai pas à vous parler sauf pour le top départ là-haut. Moi j'appuie sur le B. Non, je sais pas. Voilà, donc j'ai pris de la bouffe. C'est chez Mon. C'est chez Mon comme Bon. Je sais pas si c'est dérangeant pour vous les Twitchers là. Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce que ça dérange le son? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça se passe bien? Vous les entendez bien? Un Twitcher qui offre des chèques, ça c'est une première mondiale. Ah bon? Ouais, je sais pas, mais moi ça me fait plaisir, tu vois. Ça me fait plaisir. Hein? Rire plus pour gagner plus, moi. C'est ça. Hein? La joie, ça n'a pas de prix. Hein. Voilà. Bon, j'espère qu'on va bien s'éclater. Tu m'entends pas sur le Discord? Pourtant j'y suis. Bah non, je suis là, je sais pas. Non, on t'entend. Tu m'entends pas? Non. Ah bah je sais pas, alors là franchement, voilà, donc on aurait dû faire des essais avant, mais bon, pour cette fois-là on laisse tomber, hein, parce que là c'est dans 3 minutes. Hein. Donc là je clôt mon aventure, là, voilà. Donc merci de m'avoir suivi, rendez-vous au prochain épisode, ciao, bye bye.